مساء النور، bonsoir. J'ai vraiment été ravi de découvrir ce poème de Simon Felmezrani. À vrai dire, je l'ai découvert après coup, après l'émission, parce que je ne regarde pas cette émission et encore moins cette chaîne. Cela dit, dès que Simon m'a appris l'existence de ce texte, bien sûr, j'ai été tenté de le traduire en français, et c'est ce que j'ai fait. Le texte a paru dans le journal La Presse, mon journal fétiche, sachant que lundi dernier, donc au lendemain de l'émission, j'ai publié un texte intitulé L'exception poétique, dans lequel je parle de l'importance de la poésie et presque de sa primauté sur la politique. Voilà donc ce poème qui a bien joué son rôle, un buzz certes, mais surtout une satire contre les députés du peuple, ces députés que les Tunisiens ont élus en novembre 2014. Et malheureusement, je peux le dire, d'une part le vote utile a pris le dessus, d'autre part le vote bête, imbécile de ceux qui ont voté pour le parti de Dieu, et puis les autres qui ont réussi par des moyens bizarres de s'octroyer des voix. Moi, j'ai voté pour des gens qui n'ont pas été élus, et ça se voit qu'aujourd'hui, la Tunisie est en train de payer avec ce type de comportement. Donc, Mons von Mezreni s'attire contre les députés du peuple. Venez à l'absence, dans l'enceinte du Parlement, bouche sans langue, ni claquement, creux de la main sans doigt, coude sans pied ni poids, crime sans châtiment, Dieu vénéré, mais comment? Venez à l'absence. Dans l'enceinte du Parlement, griffes et dents, un peuple ici crie de sa voix meurtrie au moment des élections. Dans l'enceinte du Parlement, la scène est romantique, une voix derrière le siège muselé et oublié sous la coupole de l'abandon. Dans l'enceinte du Parlement, le député portable, le travailleur chômeur au théâtre de l'engagement et la position variable courant après le dinar dans la bourse du pourboire. Et le Parlement du peuple, un jardin ouvert, sans porte ni clôture, un berger ici, égorgé, et le loup est en harmonie, faisant la cour aux brebis et clignant de l'œil aux volailles. Voleur et pas de chien, c'est la loi de la jungle. Dans l'enceinte du Parlement, le silence entoure la patrie, à l'heure où c'est la grande tuerie. Voix et pas de réponse, pas de visage dans la burqa, religion sans foi dans l'enceinte de l'ornement. Venez à l'absence. J'ai vu sous la coupole des députés une nuée dans les gouttes sans des mouches. Je suis allé dans la rue, étonné, j'ai demandé, n'avez-vous pas flairé cette fumisterie? La réponse était boucherie, des voix d'un peuple qui a voté. Ce sont ici les funérailles de ceux qu'on a élus. Merci à Simon Felmezrani, merci à la poésie et merci à toutes les Tunisiennes et à tous les Tunisiens qui, aujourd'hui encore, montrent qu'ils ont du goût parce qu'ils croient en la poésie.